Marin ou Sneed? Sneed mort-vivant. On connaît. Ah, je sais pas. Marin, c'est plus... vous voyez? Ouais, Marin, c'est un peu plus... Vous voyez quoi? Alors que Sneed, c'est un peu... Ouais. On va passer un sacré technique, hein, ce live. Hein. Non, mais Sneed, c'est mort-vivant, quoi. Mort-vivant ou nul, quoi. Après, c'est excellent, mort-vivant. C'est vraiment, vraiment excellent. Mais bon. Moi, je suis jamais à l'aise de me dire... bon, tour 1, je vais jouer ça. Ça ou ça? Les termes techniques sont dits. Mais là, en vrai, il y avait un choix. Hein, parce que la dernière game Sneed que j'ai joué, j'ai fait top 1. Easy, d'ailleurs. En mort-vivant. Avec le catacombe. Et la dernière game marin que j'ai joué, j'ai fait top 1. Par contre, la game d'avant en marin... J'avais fait top 8. Marin, c'est peut-être un peu polarisé. Mais... Du moins, ça nécessite sûrement plus de concentration que Sneed. Ou... Juste, tu fais ton pouvoir, tu montes en taverne 5 et... Et après, c'est Bob qui décide. Tu penses quoi de cette nouvelle saison? Tu as déjà pu t'y faire? De cette nouvelle saison, c'est-à-dire depuis 2 mois, tu veux dire? J'aime beaucoup les bibelots, je trouve que c'est merveilleux. Ça apporte beaucoup de fraîcheur dans la game, de la construction, de la tempo, de la réflexion. Je trouve que c'est la meilleure méta depuis le début du jeu et d'assez loin. Alors que les métas précédentes, elles étaient déjà incroyables. Donc, très agréable. On va prendre le double... C'est pour nous le double secret, quoi. Quel régal. Ouch. C'est la régalade, hein? Tu prends le double secret là. T'as rien demandé. Ça et ça? Bon, ça c'est cool. Cyclone, non? Ouais, non. Je pense que comme ça, je suis pas mal. Et je vais prendre ça. J'aime bien les morts vivants, moi. Je préfère même les morts vivants full attaque que... Ça peut paraître dingue. Que les morts vivants catacombes, même si c'est moins fort. Mais... Salut, la quéquette à la casette. Ah, ok. La quéquette à la casette, d'accord. C'est ton pseudo. Fish, t'es le meilleur Summer Hearthstone de par tes conseils et ta bonne humeur constante. Ah bah c'est gentil, bah c'est grâce à vous. Hein. C'est un cercle vertueux en fait. Je suis de bonne humeur, donc vous êtes sympa avec moi, donc je suis de bonne humeur, donc vous êtes sympa avec moi, donc je suis de bonne humeur, donc vous êtes sympa avec moi, donc je suis de bonne humeur, donc vous êtes sympa avec moi. Il a plus de créatures que moi, c'est pas certain. Mais non, je veux pas. Mais je veux te faire un bisou, moi. On va pas dans ce pattern là. Je comprends pas. Man, t'es pas sérieux là, ça veut pas dire que up ça. Je suis désolé. Moi je t'ai fait un bisou. Bah ouais, mais bon là c'est vrai. Non mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il est en train de me faire passer pour un pervers. J'aime pas ça.
Salut Zaraki, comment ça va? Salut Lucas Marcy, bienvenue à vous. Tu joues à Hearthstone des fois ou pas? Des fois non, tous les jours oui. Pour Lyotzef du 7-7. Mais t'es incroyable pour Lyotzef du 7-7. Kiof 25. Mais Furiosé. Attendez. Arrêtez. Ça fait tarader de partout à la fin. Yeah. Bon, il va en 3 d'attaque. Lancer le sort deux fois, c'est pas ouf. Réincarnation. Un serviteur allié. Ah, j'aime bien l'idée. Non, mais lui un peu à la fin. Un truc comme ça. En gros, c'est 5. Il y a un monde où... Ouais, il y a vraiment un monde obscur, mais on fait un truc comme ça. Furiosé du 7-7. Qui offre 25 abonnements, mais pourquoi? Enfin, merci. Qui offre 25... Pas de bonjour ni rien. Il arrive, lui, comme ça. Bam! 25 abonnements à Ben Chao, à Jack 05050, à Scully, à Mario Tic du TV, à Monsieur Hippo, à Luigi G49, à Snitcher, à Malganat, à Naglaref, à Tips Del Macle. Je suis derrière. Alkylion, Kernu, Nexto, Widow du 22, Zaraki du 2270, Bilam, Jeff du 59, Bidou, Biverlord, Strongbo du 444, Flinch du 96, OVMDC, Hacha, Valo du 10-25, Black J du 123 et Jason 25-10. Merci infiniment. Merci Furiosé. C'est incroyable ce que tu fais. Aïe. Attendez, parce que là on est pas bien là. C'est la faute à Furiosé ça. On fait ça? Je les connais ces games dégueu là. On prend coupon, on essaye de tempo. C'est galère, hein. C'est vraiment galère, hein. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est incroyable ce que tu fais. 25 abonnements, ça fait que bah, sur le sub goal, en fait, on est déjà à 26. Pas de bagarre dans le saloon. Allez, réglez ça dehors. Merci beaucoup, merci de ton aide. C'est très très précieux, franchement, merci d'exister. T'es un chouette humain, toi. On a de la chance vraiment de t'avoir sur cette planète. Ok, ça c'est cool. Ça va être dur cette game. Là, il n'y a pas de combinaison. Faut arriver à booster l'attaque. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Tout le mérite est pour vous. Brigand, moi aimé.
En fait, j'ai vraiment envie de jouer que en attaque, quoi. Attaque mort-vivant. Donc, je pense que je vais prendre le Rilak avec ça. Ça paraît super bizarre, mais... Ouais, faut vraiment tenir quoi. C'est catastrophique là, hein, cette game. Mais je sais repérer les games catastrophiques et je pense que c'est important ça. On doit savoir la fameuse stratégie de l'abandon. Alors c'est pas abandonner, mais c'est essayer d'être méga tempo plus que construction, constructo tempo, vous voyez. Est-ce qu'on veut ça? C'est pas mal quand même. De toute façon, il nous faut des morts vivants, mais bon. Ouais. Vu la game... Merci à Egg, Made Inferno, merci pour le Prime, merci beaucoup, merci de ton aide. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ah, c'est catastrophique là. Ah zut, ça c'est vraiment double peine ça. Quoique 4x4, hein, mais après on aurait pu enlever 2. Bon. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Sérieux ? Ça creuse, c'est... On prend collier, on part en full rip-hop. Les bibelots de con, ouais. J'osais pas le dire, mais... Bon, on fait un truc comme ça. On joue avec ça, hein. Beaucoup d'attaques, l'avantage c'est qu'il n'y a pas mecha. Il n'y a pas mecha, il n'y a pas pirate, ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de cleave. Notre compo elle est tellement faible sur même un cleave. 4-4, il nous défonce. C'est horrible. 1-4. Un cleave 1-4, il nous humilie. Là, il n'y a pas de cleave, donc franchement, on a quand même beaucoup de puissance. C'est juste que c'est triste de faire ce genre de compo, même. Merci, on a 18, on est obligé. Hein. Merci, Kougan. Bonjour, Fish, comment ça va? Très bien, merci, et toi? Super pour le tournoi, bien joué. Un sub goal coaching, viser les trolls. Bah ouais, parce que vu qu'on a validé le sub goal tournoi, je me suis dit, en plus ça fait depuis plusieurs semaines vous me demandez du coaching, et vu que là mon niveau il est incroyable en ce moment, et que voilà, vu que je fais des gros volumes de sessions, ça peut être sympa à la fin de live de faire 30 minutes de coaching quoi. Ça va détendre un peu, ça c'est gros. De toute façon on va partir en full attaque, enfin la faucille du boucher. Ça, on dégage. Je crois qu'on va virer ça et ça. Pas besoin d'avoir beaucoup de créa. Hein. Ok. C'est une stratégie, c'est une compo que j'aime bien. Mais je sais que c'est pas une compo forte. D'ailleurs, la compo full attaque comme ça, elle est tier B. En fait, il fait 4 tiers GIF.
tiers S, tiers A, tiers B, tiers F. En gros, c'est ça. Hein. Donc, c'est une compo qui existe, mais qui est une moyenne compo. Mais là, vu ce qu'on avait, on ne pouvait pas partir sur la compo A. Enfin, la compo, ouais, à tiers de mort-vivant, qui est catacombe. On n'avait pas du tout la possibilité. Il faut aller dans la 5, il faut jouer Titus, catacombe. C'est lourd en termes d'investissement de mana et on se serait fait défoncer. Donc, on est obligé d'aller sur, par rapport à ce qu'on a, bah, une autre compo. Donc, full attaque mort-vivant. Voilà. Qui existe, hein. C'est une compo qui existe et il y a plein de façons de la faire. Celle-ci, elle est particulière de jouer avec ça et ça. J'avoue que c'est une des premières fois. Enfin, en tout cas avec collier. Collier bâton, c'est assez rigolo. On va voir ce que ça donne. Mais là, oui, la stratégie, c'est top, top 4, top 3. En tout cas, pas perdre trop de points, ce serait déjà pas mal vu la partie. Ça met des gros dégâts. Hein. Bon après, lui, Rock Aramurloc. Bon, un combat de plus en moins. Ça fait un radet de partout à la fin. Ok. On peut tripler ça. Ah non, je suis bête. Bah après, elle donne réincarnation. De toute façon, je pense qu'on va juste faire ça. On booste l'attaque. Je vois pas l'intérêt de rajouter des créas. Bon. Techniquement, on aura peut-être pas la place de rip-hop, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, il n'y a pas un monde où je fais comme ça? Par rapport à ça, au bâton? De toute façon, on sait qu'il n'y a pas de cleave. Merci Coolgan, merci beaucoup. Et merci Puka pour le soutien, merci infiniment. Je sais plus à combien on est sur ce goal, mais... 26, 27, 28, 29. On est à 29, c'est ça, hein. Bon, bah on va y arriver. Hein. Merci beaucoup. Tu le vois où, le classement de GIF? Il n'avait pas été mis à jour depuis pas mal de temps. Et j'ai tapé sur les internets GIF Battlegrounds. GIF Battlegrounds, je crois. Ou GIF Google Doc Battlegrounds, un truc comme ça. HSBG Guide. Ouais, c'est ça. C'est le nom, c'est HSBG Guide. C'est intéressant parce qu'il dit quel compo, comment les amener, etc. Alors c'est vraiment que de la théorie, c'est que... Mais c'est une première lecture, quoi. Après, il faut de la pratique et il faut jouer quand même. La théorie ne suffit pas, mais c'est un bon début. Sacré bon filon, ne lâchez pas. Lui, il a pas mal de rip-hop, ce qui est problématique pour nous. Mais on en a plus que lui. De toute façon, on va se le dire. Hein. Enfin, je vais le redire, hein, mais ce qui nous tue, c'est les cleaves. Les cleaves et les petits malinois qui vont jouer tunnelier Titus, quoi. Eux, c'est vraiment pas des gens bien. Oh non! Il faut pas jouer des grosses créas. Hein, parce que si une créature à nous ne meurt pas, on profite plus du collier. Donc c'est un peu dommage. T'es dans un lobby hyper bas. 8, 8, 4. Hyper bas, non, mais. On va dire qu'il n'y a pas de 10k et plus, ouais. Mais bah non, à 8K, t'es super bon dans le jeu quand même. Ok, bon. Ça fait un radet de partout à la fin. La question c'est, est-ce qu'on veut tenter un truc?
peut-être un tone de plus. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Oh, c'est cool à manger ça. Je suis le premier seigneur des cryptes. Ouais, ça rajoute pas mal d'attaques, plus 5 d'attaque. Oula, pardon. Les taunts, c'est cool. On reste sur ce setup là. Ouais, ça tient, hein. Ça fait beaucoup d'attaques quoi. De toute façon, c'est full attaque, hein. Donc c'est un peu neuneux, mais c'est plus technique qu'on le pense. Bon, on joue pas beaucoup, hein. On achète deux cartes, on en sacrifie une, voilà. Fini. J'ai acheté qu'une carte, je crois, en plus. C'est un truc de fou, hein. On joue rien. C'est le jeu, hein. C'est vraiment la pire compo à jouer. C'est la compo de secours, quoi. Comment ils ont autant d'attaques? Bah, avec la faucille, je mange, et mais mort-vivant, l'abattage, il fait, c'est ad vitam aeternam les stats. Donc je booste tout le temps. Et la carte d'extrême gauche a 15 d'attaque supplémentaire. Ouais, vous voyez, lui on le passe, hein, je pense. Hein. 90, ça va. Hein. C'est des créatures 200-200 qu'on va commencer à galérer. Mais des trucs à 90 comme ça, on envoie 3 créas dedans, c'est bon. Hein. Puis on a le taunt qui protège bien le pattern. Les taunts sont importants parce que ça enlève de la RNG dans un combat. Il y en aura toujours évidemment, mais. Merci Flo TQL. Merci pour le soutien, c'est super gentil. Merci beaucoup. T'es le 30e. Non, pas du tout, 29. Merci à toi. Je pensais qu'on était à 30. 1, 2, 3, 28, 29. Non, t'es 29. Merci beaucoup. 12, ah, il survit. Dommage, dommage. Ok, top 4, c'est ce qu'on voulait, on aurait pu faire top 3. Lui joue mort-vivant aussi, c'est un peu problématique. Ok, un truc dans ce spot là, comme ça. Peut-être un comme ça. Salut Fish, pas l'occasion de passer souvent sur tes streams, mais je prends toujours du plaisir à regarder tes vidéos. Bah, merci à toi. Merci de ton soutien. C'est un bel effort et c'est important. Mais vous voyez, cette gamme, elle est catastrophique. Hein. Ça, c'est dégueu. On a commencé la gamme, on était à 18. Bon, on a dû prendre le biblou supérieur parce que l'autre biblou inférieur était dégueu. Vous voyez, donc on est allé très vite vers cette compo route secours. Mais ça, c'est important à faire parce que cette gamme, je la connais. Je l'ai déjà jouée plein de fois. C'est une game top 8. Là, on était véritablement dans une game top 8. Et parce que, vous voyez, on a gagné 4 combats d'affilée. C'est-à-dire que dès le tour 8, on était déjà à 18. Tour 8, on était encore 8 joueurs, enfin, on n'avait pas encore le bibelot supérieur et tout. Donc, la stratégie de l'abandon, ça veut pas dire faire une mauvaise game. Ça veut juste dire faire une game avec un peu moins d'ambition, avec des choses qui sont plus réalistes. Vous voyez ?
C'est là où c'est important. C'est stratégie de l'abandon, c'est pas genre ma game elle sera pourrie. Je vais geler, je pense. Ça et ça. C'est, je ferai pas une game de fou avec des 300-300 dans tous les sens et tout, ou APM infini. Par contre, je ferai quelque chose de sérieux et c'est ce qu'on a fait là. C'est très sérieux. Et là, ça va se battre au nombre de rip-hop. Et peut-être qu'au nombre de rip-hop, on peut gagner. Et a priori, on est censé gagner. Faut pas qu'il tape trop vite là-bas. Faut pas lui donner l'idée. Ok. Bon, pour le moment, c'est pas mal. Ça aide bien, ça permet de libérer un peu la place. Ouais, là, c'est super. Hein. Là, on a les 4 créas. On a même pas le, on a pas le rip-hop, mais on s'en moque. De toute façon, on l'aura presque jamais. Ok, on pourrait faire top 3. De toute façon, top 4, on va perdre beaucoup de points. Enfin, si on fait top 4, on perd beaucoup de cotes. Et top 3, on n'en gagne pas spécialement. Je pense qu'on va faire 0 en top 3. Mais au moins, on n'en perd pas. On va voir. Ok. Donc déjà, au moins, on ne perdra pas de cotes sur cette game. Et peut-être que... Lui, il était pas dingue. Après, lui non plus, mais... On va voir. Ah, j'ai triplé ça, c'est un peu embêtant, mais bon... En vrai, je peux très bien jouer ça. Bon, là, de toute façon, on va rester tel quel. Hein. On s'en fout, on a tellement des rip-hop infinis. C'est pas la fin du monde de l'avoir triplé, lui. Hein. Je vous le dis. Je sens que vous paniquez. Bon, je vais quand même booster un peu. De toute façon, ça meurt tout le temps. C'est juste pour pas prendre un tunnelier tech, vous voyez. Ça, ça peut donner plein de trucs sympas. Nope. Ouais, lui, on va le vouloir tout à l'heure. Et on va rester comme ça. Ça, on le garde pour la finale. Vu qu'on va jouer très souvent avec 6 créas, c'est cool d'avoir juste un petit truc qui tape au début, quoi. Dans ce cas-là, on peut même partir comme ça maintenant. Merci David. Merci beaucoup. 60 mois, c'est beau, 60 mois. Attends, mais 60 mois, ça fait 5 ans. 5 ans de soutien. C'est merveilleux. Félicitations. Et merci. Salut le fiche. 60 mois déjà, un grand merci pour ton engagement, ton enthousiasme et ta passion que tu sais si bien transmettre. C'est un vrai plaisir de te suivre tout ce temps. Félicitations pour tout ce que tu as accompli et longue vie à ta chaîne. Bah merci. Avec des gens comme vous, allez, voyez. Le tunnelier, mais qui fait rien contre nous. Important. Il va quand même gagner ce ville, mais bon, il y a trop de life là. Bon, on passe pas ça. Hein. Merci beaucoup. Merci David. Ouais, mort-vivant, moi j'aime bien la compo. Hein. Mort-vivant, je trouve que c'est une race intéressante. Après, lui, il a dû perdre contre Murloc, hein, je pense. Ouais, contre Murloc, et surtout que le Murloc, il a vite grossi. J'ai peur quand même de faire 3ème. Parce que là derrière je prends le Murloc. Je pense que mort-vivant il va perdre contre Murloc. Mais il va pas mourir. On va voir, on va voir. Bon, ça tape hein. Ça tape fort. Hein. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Hein. Et lui, il va peut-être proc. Hein. Ça serait magnifique. Hein. Proc entièrement. Hein.
Elle est tartine quand même. Surtout qu'il revient et il peut se réincarner. Ce serait incroyable. Ah dommage. Ah ouais, mais de toute façon il y en a plein d'autres. Je pense qu'on va gagner hein. Faut qu'il tape un peu à gauche. Non ça va le faire hein. Magnifique hein. Cette violence là, parce que lui il avait 1000 points de vie en tout hein. Tu comptes 340, 245 puis tous les dots. Fallait tomber 1000 points de vie. Qu'avec des petits T1, des T2, des trucs à la con. Nice. Ah top 2 c'est beau. Et on finit en mirror de mort vivant. Bon. Est-ce qu'on se... Ouais. Ça c'est très cool. Offrons un moment exceptionnel. Offrons un moment exceptionnel à nos invités. J'ai envie de teker tunnelier contre ce gars-là. Ça, on pourrait, mais... Non. Si je fais un... Ouais, ça peut, hein. Mais à un moment, je perds la place, quoi. Je sais pas. Tunneli, il est cool, quand même, hein. Ça l'emmerde, hein. Non, peut-être ça tuera rien. Après, je sais pas si j'ai pas envie de rentrer virevoltant quand même. Ou alors je fais juste ça, comme ça. Ouais. Bon, on perd plein de stats, mais... Là, je crois que je rentre le virevoltant. Vous jouez gros. Non, il va falloir assumer. Bon, c'est une bataille de rip-hop, hein. On est devant. C'est beau hein, cette finale full attaque mort-vivant. Vous voyez la stratégie de l'abandon ne veut pas dire faire une mauvaise game. Ah, c'est bien, ça attaque bien. Ça attaque bien pour nous. Wow. J'essaye d'arriver à cibler un peu par les yeux les targets. J'essaye de voir. Je regarde une de ces créas et avec les yeux, voilà, je cible. Alors, faut être un X-Men hein, pour y arriver. Vous n'essayez pas. Ok, bon. Il manquera un combat. Ouais, Tunnelier, ça a l'air. Tunnelier, ça a pas l'air mal, hein. Il a combien? Une carte? Ouais, il a qu'une carte. Non, peut-être pas. Je vais up, ça rend plus de dégâts. Ça peut être bien, non, quand même. Ça va chercher deux mers. Ça, c'est pas mal, quand même, hein. On y va avec ça. En plus, on a la 15 d'attaque, donc ça va tuer deux trucs. J'aime bien l'idée. Hein. Ouais, c'est pas mal avec les 15 d'attaque. Là, en vrai, c'est vraiment drôle. Hein. De toute façon, ça nous a quand même bien aidé pour avoir pas mal d'attaques surtout, pas que sur... Puis on a suffisamment d'attaque. De toute façon, lui, il est en full attaque. Il est déséquilibré comme nous. Hein. Il n'y a pas de point de vie, il n'y a que de l'attaque. Ah, il a teké Moroes pour justement éviter un tunnelier. Après, le tunnelier n'aurait pas tué grand-chose, mais juste parfois tuer un truc. Allez. J'y crois. Je suis surtout passé taverne 6 pour rentrer un dégât de plus. Ça peut se jouer à un dégât parfois. Oh, attendez, mais il est parti.
Attends, il pouvait pas taker un peu, il y avait pas moyen qu'il take. Ok. Bon. Il a abandonné un peu vite, j'ai l'impression. Elle est vraiment belle cette game. Hein. Parce que le premier objectif c'était d'éviter la 8ème. En fait, il y a eu étape par étape. Premier objectif c'était déjà ne pas faire 8 ou 7. Parce que tu fais 8 ou 7, tu perds 150 cotes. C'est horrible, ça fait mal la première game de, du live. Moins 150, c'est un peu sick. Moroes, c'est pas Moroes, c'est Morose. Fiche. Moroes, non, Moroes, en vrai. Non, non, c'est Moroes. Blizzard, ils disent Moroes. J'ai toujours entendu Moroes. Bref. Et donc, première, on évite la 8 et la 6. Après, objectif, arriver dans le 4. Et après, donc on est dans le 4. Voilà. Ça, c'est un objectif global. Ça ne change pas grand-chose à notre gameplay. Notre gameplay, il est juste basé sur s'améliorer à chaque fois, passer les combats les uns après les autres et avoir de plus en plus de puissance. Tout en essayant de taker aussi en fonction des adversaires. Mais la différence entre ne pas vouloir faire 7 et 8 et vouloir faire 1 et 2, elle est importante ici. Parce que si on est dans une stratégie où on est très bien, donc pas du tout stratégie de l'abandon, bah on va prendre des ups plus agressifs. Parce que notre but, c'est de faire 1 et 2. Donc on a envie de construire quelque chose de fat dans les tavernes 5 et 6. Là, on ne pouvait pas y aller, donc on reste en 4. Vous voyez ? Ça a une incidence directe, hein, cette façon de réfléchir.